On est avec Cassandre Campanella, la capitaine des Girondines. Bienvenue à Villeneuve-sur-Lot. Bonjour, merci. Matinée avec les jeunes, avec les U16 et U17 des Panthères, ici à Villeneuve. Cette délocalisation des entraînements pour le rugby féminin à 13, c'est important ? Oui, c'est important parce que nous, ça fait un petit moment qu'on joue. On a un bon effectif d'anciennes joueuses au sein des Girondins. Et ce qui est intéressant, c'est d'être avec des jeunes joueuses, de pouvoir partager un moment de rugby avec elles et jouer comme ça sur une matinée avec des jeunes et des filles qui ont un peu d'expérience. Donc c'est vraiment important pour nous de faire ce déplacement, de venir et de s'entraîner tous ensemble, quoi. T'es international, équipe de France. Là, il va y avoir une concentration, là, très très vite. Une présélection, ensuite une sélection pour la Coupe du Monde en Angleterre. Toi, qu'est-ce que tu as vu de cette jeune génération ? T'as vu quelques petites jeunes ce matin à Villeneuve. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir des filles ? Ou est-ce que tu vois quelques niveaux également, là, ce matin, qui peuvent être intéressants ? Oui, on voit qu'il y a de l'envie. Quand on est dans un système comme ça à Villeneuve, où il y a du rugby à 13, de commencer à faire une équipe féminine avec des jeunes joueuses comme ça. Et je pense qu'effectivement, il y a des filles qui peuvent avancer et progresser. Surtout que vous êtes très bien structurées, vous avez des bons entraîneurs. Ouais. On voit aussi Thomas Alasven, qui est un joueur d'Elitune. Il peut encourager et il peut aussi montrer son expérience. Très bien, c'est très important, quoi. Il y a certain avenir du rugby féminin 13 dans la Nouvelle-Aquitaine, parce que ça manque toujours un petit peu. Ouais. Vous êtes du côté de Bordeaux, nous on c'est est à ça. Villeneuve. Fédérer ça, c'est quand même, ça peut être sympa, quoi. Ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, donc se déplacer et se rencontrer, c'est aussi important, du coup. C'est toujours un plus pour nous, parce que c'est ce qu'on s'est dit. Là, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas entraîné. C'est toujours bien d'arriver à l'entraînement, peu importe les différences de niveau, peu importe les différences d'âge. Il y avait du monde à l'entraînement, ça crée de la dynamique. Et ça, c'est super, quoi. On a passé un moment. On reprend le rythme tranquillement. Bon, objectif personnel pour toi là, dans les semaines et mois à venir, puisqu'il y a une Coupe du Monde qui approche en automne en Angleterre. D'un point de vue international, toi, qu'est-ce que tu en attends de partir en Angleterre Effectivement, ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué, donc c'est un peu difficile de pouvoir vraiment s'avancer. Mais oui, si j'ai l'opportunité, si j'ai le niveau, c'est sûr que je vais tout faire pour pouvoir y être. Ouais. Après, voilà, ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué, on est tous un peu sur des remettre en marche un petit peu, là, c'est clair. Il faut retrouver les automatismes, il faut retrouver la forme sur le terrain, tout ça. Pour l'instant, voilà, on ne peut pas... Et une dernière question, toi qui es capitaine des Bordelaises, l'objectif pour la saison prochaine, on a eu l'occasion d'avoir la présidente, ta maman, hein, qui est présidente du club également. Ton objectif, toi, pour l'équipe, qu'est-ce que tu attends en élite la saison prochaine ? J'espère qu'on va pouvoir, ce sera notre 3e année d'existence, donc j'espère qu'on va pouvoir essayer de se stabiliser, de se structurer un peu mieux, que ce soit administrativement ou sur le terrain. J'espère qu'on va pouvoir avoir un peu plus de joueuses, parce que nous, c'est ça la difficulté dans des villes où le rugby à 13 n'est pas du tout connu. C'est à recruter de nouvelles joueuses, que ce soit d'ailleurs des filles qui veulent de la compétition ou des filles qui veulent du loisir. Et jouer, s'amuser. Parce qu'il faut savoir que nous, au rugby à 13 féminin aujourd'hui, les équipes sont assez hétérogènes. Il y a des filles qui veulent vraiment travailler sur du haut niveau et des filles qui viennent là juste pour le loisir. C'est vraiment structurer un groupe pour la saison prochaine. C'est ça, structurer un groupe et essayer de structurer un peu plus le club, parce que voilà, effectivement, pratiquer du rugby à 13 dans des villes comme ça où ça n'existe plus, parce que ça n'existe quasiment plus. Ouais. Il y a nos amis de Bègle 13 qui, eux, sont toujours là et ont toujours persisté. Et d'ailleurs, on s'entraîne ensemble et on se regroupe, s'entraide. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et donc l'objectif, voilà, il est de pouvoir avancer avec un meilleur groupe et un meilleur staff. Allez, on espère une saison complète, déjà, pour les féminines, pour toutes les associations de rugby à 13 amateurs. Et on essaiera d'aller vous supporter un jour du côté de Bordeaux et aller vous voir jouer et gagner là-bas du côté de la région bordelaise. Merci beaucoup.